Seigneur, que ma vie te glorifie. Seigneur, que ma vie te glorifie. J'écoutais une prédication du pasteur Bishop Eddy Liziki ce matin et il nous exhortait à ne pas simplement demander, mais à aussi remercier. Remercier Dieu. Parfois, il est important de s'asseoir et de compter ses bienfaits. Si dans une jauge, on mettait nos demandes et dans une autre, nos remerciements, laquelle serait la plus remplie? Seigneur, que ma vie te glorifie. Seigneur, que ma vie te glorifie. Mais comment ma vie peut-elle le glorifier? Une des clés pour que ma vie le glorifie est de mener une vie dans sa présence, dans sa parole, dans l'obéissance. Mais c'est aussi le remercier. 1 Corinthiens 15, verset 57 nous dit « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Souvent, nous citons une partie du verset et pas l'autre. Nous arrêtons à « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Mais il y a bien une suite à ce verset. Après supplication, nous avons une virgule, pas un point, dans une attitude de reconnaissance. C'est-à-dire que même quand vous faites connaître vos besoins à Dieu, quand vous demandez à Dieu quelque chose, vous devez le faire dans une attitude de reconnaissance. Afin que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire aussi dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » Vous voyez, des apôtres remercient même Dieu pour leurs frères et leurs sœurs. Car bien souvent, nous prions pour nos ennemis, mais nous oublions de remercier Dieu pour nos frères et nos sœurs. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Seigneur, que ma vie te glorifie. Seigneur, que ma vie te glorifie. Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eddy à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eddy sur sa chaîne YouTube @BishopEddy. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je pense que nous allons passer un moment béni. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'aime beaucoup l'Éternel. Je peux vous dire que j'aime beaucoup Dieu. Je suis amoureux de Dieu. Nous avions vu
les sept caractéristiques du Saint-Esprit. J'aimerais le citer des mémoires. D'après Ésaïe, le premier, c'est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, l'Esprit de sagesse. Troisièmement, l'Esprit de discernement. Quatrièmement, l'Esprit d'intelligence. Et cinquièmement, l'Esprit de la connaissance. Et sixièmement, Esprit de conseil. Et septièmement, Esprit de la crainte de l'Éternel. Voilà les septuples caractéristiques du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez rempli d'amour pour Dieu. Voyez, l'Esprit de l'Éternel. Vous allez aimer Dieu. Vous allez aimer Dieu. Vous serez tellement amoureux de lui que vous ne voudrez pas le décevoir. Il y a des choses que vous ne ferez plus jamais. Voyez, il y a des choses que vous ne ferez plus jamais parce que vous aimez Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses dont vous avez droit, comme dit l'apôtre Paul, vous allez même vous priver de vos droits pour ne pas créer un obstacle à l'évangile, tellement que vous aimez le Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez aimer Dieu plus que l'argent. Vous serez pas comme tous ces chrétiens qui ont toujours des excuses pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Voyez, tout le matin, tout le soir, nous prions que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu va venir comment? Si nous finançons pas son armée, si nous finançons pas notre église, le règne de Dieu va venir comment? Voyez, Dieu nous a donné ce privilège. Et croyez-moi, Dieu peut financer lui-même son œuvre. Il dépend pas de nous, mais il nous donne ce privilège de participer. Il nous donne ce privilège d'être actionnaire, actionnaire dans le royaume des cieux. Vous voyez, un actionnaire, quand l'entreprise marche bien, quand l'entreprise en bourse monte, l'actionnaire aussi partage les bénéfices. Quand l'entreprise tombe en faillite, l'actionnaire aussi perd l'argent. Et le royaume de Dieu marche toujours et elle marchera toujours parce que Dieu est le chef de son entreprise, de son église. Alors, il veut que nous soyons actionnaires pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qui en découlent. Donc, c'est un privilège que vous soyez actionnaire avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, vous allez aimer Dieu et quand vous avez l'amour de Dieu, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la sagesse. Parce qu'il est appelé esprit de sagesse. Mais si du moins, si vous prenez le temps de l'écouter, la sagesse. Quand vous avez un professeur, vous devez donner au professeur le temps. Voyez, c'est pour cela, le sacrificateur Élie avait dit au jeune Samuel, à l'âge de 12 ans, lorsque Samuel avait 12 ans, et qu'il attendait la voix de l'Éternel une nuit. Il confondait cette voix avec la voix du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie étant que prophète expérimenté à la voix de Dieu, il avait tout de suite compris que c'est l'Éternel qui voulait parler à ce jeune homme, et il lui a dit, lorsque tu attendras encore cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu parle seulement quand nous sommes à l'écoute. Vous voyez, il y a des gens qui me disent des fois, pasteur, Dieu ne me parle jamais, il parle aux autres. Mais des fois, Dieu ne parle pas et quand vous n'êtes pas à l'écoute. Quand nous sommes toujours distraits, quand nous sommes toujours bruyants, quand nous sommes toujours agités, préoccupés par des soucis, par des conflits, par... C'est comme je dis à une femme, le plus beau cadeau que tu puisses donner à ton mari, c'est la paix. Vous êtes une chrétienne, vous êtes une femme de Dieu, le plus beau cadeau que tu puisses donner à ton mari, c'est la paix. C'est parce que c'est quand cet homme est en paix et qu'il pourra écouter distinctement la voix de Dieu.
Voyez, c'est un esprit de sagesse. Il est un esprit de conseil. Voilà, il nous donne conseil. Croyez-moi, ayez l'habitude de dire, Saint-Esprit, conseille-moi. Saint-Esprit, montre-moi quel chemin prendre. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Il est l'esprit de l'intelligence. Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure aux sages et aux magiciens de Babylone. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous serez très intelligent. Vous voyez, ce n'est pas un privilège qui appartient aux païens. Vous allez voir que les plus grands savants de ce monde sont des juifs. Einstein était juif. Allez-y voir, les plus grands savants de ce monde étaient des juifs parce que simplement Dieu les a bénis. Et nous aussi les chrétiens, nous sommes bénis par la croix. Nous héritons de cette bénédiction par la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, l'Esprit de discernement. Nous vivons dans un monde de confusion. On attend toutes sortes de voix. Voyez, ce dimanche, j'ai reçu une mamie qui est venue avec son fils et sa fille, son beau-fils et sa fille, avec sa petite-fille. Et la mamie attend de voix. La mamie voit des choses et elle dort pas. Elle a à peu près 80 quelques années. Et sa fille était convaincue qu'elle avait un démon, qu'elle voyait des esprits. Vous voyez, et des problèmes psychiatriques, des fois, sont confondus avec des problèmes spirituels. Vous voyez, quelqu'un peut voir des choses et voir, entendre des voix, parce qu'il y a un problème psychiatrique, il faut une guérison, pas une délivrance. De même aussi, quelqu'un peut voir des apparitions ou entendre des voix parce qu'il y a une attaque démoniaque. Mais pour distinguer les deux, il faut un discernement. La mamie est venue, je l'ai imposé les mains, elle n'est pas tombée, il n'y a eu aucune manifestation. Mais la petite fille est venue, la petite fille, je l'ai imposé les mains, elle est tombée, et il y a eu des manifestations démoniaques, je l'ai exorcisée, j'ai fait la délivrance. Alors je vais expliquer aux parents, votre maman n'a pas un problème démoniaque, elle n'a pas de démons, mais c'est psychiatrique. Elle ne dort pas, et elle développe une anxiété au point où elle attend de voir, elle a besoin d'une guérison, elle a besoin de voir un psychiatre pour dormir normalement. Et je leur ai dit, ça fait 3 jours qu'elle dort pas normalement, dans une semaine, et si vous l'amenez pas, elle dort pas tranquillement, vous serez responsable des conséquences qui vont en découler. Voyez. Donc, on a besoin de discernement. Et il y a des cas, il y a des maladies qui sont naturelles, qui sont dues au péché. Depuis le péché d'Adam et Ève, notre corps est devenu mortel. Et il faut un traitement ou une guérison spirituelle. Mais il y a des maladies qui sont démoniaques, où il faut chasser le démon. Moi, j'ai vu une personne qui avait l'épilepsie. Je lui ai imposé le main. L'esprit d'épilepsie s'est manifesté. Il s'appelait Coco. Ça signifie grand-père. Parce que le démon venait de son grand-père. Et le démon est parti et la personne n'a plus jamais piqué des crises d'épilepsie. Vous comprenez? Mais par contre, il y en a qui ont des crises d'épilepsie parce qu'ils ont un problème médical dans leur tête. Donc, mais pour discerner toutes ces situations-là, il faut un esprit de discernement pour pouvoir distinguer, pour ne pas tout confondre. Et le manque de discernement a fait que certains chrétiens sont tombés dans la paranoïa où ils voient les démons partout, là où il n'y a pas les démons, et là où il y a les démons, eux voient et voient rien. Voyez, là où il n'y a pas de démons, ils voient des démons, là où ils voient les démons dans le moteur, dans la voiture, dans les pneus, partout, alors qu'il n'y a pas de démons. Et encore, dans le domaine spirituel, il faut savoir distinguer la présence du Saint-Esprit et la présence des démons. J'étais allé en Australie, il y avait un jeune homme, un blanc, un Australien qui avait un esprit de drogue. Et quand on l'imposait les mains, le jeune homme tombait et s'endormait. Et le pasteur, le prophète qui était là n'avait pas le discernement. Il pensait que c'était le repos de l'esprit. Et moi, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était un démon. Et j'ai dû demander l'autorisation, comme c'était pas mon église, j'ai dû demander l'autorisation de prier pour ce jeune homme. Et quand j'ai insisté, il s'avère que c'était un esprit de drogue qui s'est manifesté et qui est parti. Donc vous avez besoin de discernement. Avec tous les faux prophètes qui pullulent aujourd'hui, tous les charlatans, tous les voleurs, les escrocs, hein,
qui sont sous l'étiquette du nom de pasteur. Pardonnez-moi, mes frères africains, je vous l'ai dit, la plupart des Africains, dits soit prétendus pasteurs, sont des escrocs. Je n'ai pas dit tous. Nous avons encore quelques-uns qui sont intègres comme moi. Mais une grande partie sont des escrocs, vous comprenez? Dans les réseaux partout. Et je vous l'ai dit, malheureusement, ça fait pas notre réputation. La plupart des marabouts sont des Africains. On est d'accord? Tous ceux qui s'en font appeler professeurs marabouts, malheureusement, on en a fait un métier. Nous, les Africains, nous avons fait de la spiritualité notre métier. Les Chinois, quand ils veulent l'argent, ils n'utilisent pas le bouddhisme pour se faire des sous. Ils créent ses restaurants. L'Arabe, quand il veut l'argent, il ne crée pas des mosquées pour se faire des business. Il fait ses petits magasins, il travaille même le week-end. Ce sont des bosseurs. Le Portugais, quand il veut l'argent, il se lance dans l'immobilier. Malheureusement, mes frères africains, on doit se repentir. Et quand nous voulons l'argent, la grande partie... Elle s'autoproclame pasteur, prophète, d'autres se font passer pour des professeurs, des marabouts. Malheureusement, nous avons cette mauvaise habitude minable d'utiliser la spiritualité pour se faire des sous. Voilà. Mais dans ce monde aussi confus, on a besoin de discernement. Voyez, je prêche la parole et en même temps, je veille votre conscience. Je veille la conscience des Afros. Et je veille la conscience de mes compatriotes congolais et africains, voyez. Quand je vais dans mon pays d'origine, le Congo, les jeunes congolais abandonnent leur pays pour émigrer en Europe. Ils prennent des risques jusqu'à mourir dans la mer Méditerranée et jusqu'à mourir, à terminer esclaves. Les arabo-musulmans libyens, je ne sais pas comment ces gens sont, hein, je parle bien aux Libyens, musulmans. Vous dites que Dieu est miséricordieux, voyez. Vous dites que Dieu est miséricordieux, Allah est miséricordieux. Mais vous n'avez pas de miséricorde quand vous prenez les Noirs africains, vous les traitez comme des esclaves là-bas, en Libye. Et c'est malheureux. Je ne vais pas trop insister pour que TikTok ne me sanctionne pas. TikTok ne comprend rien. C'est un logiciel abruti qui mélange tout, quoi. Voilà, un algorithme abruti, un peu borné, qui, dès que vous, même quand vous dénoncez le racisme, pour lui, il vous traite des racistes et il vous bloque. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, je voulais dire, il y a quelque chose qui est grave. Je vois... Le Libanais, le Chinois, le Pakistanais quitte le Pakistan, le Chinois quitte la Chine, les Libanais quittent le Liban, il vient au Congo, il fait du business, il fait l'argent, il s'installe, il arrive à trouver l'argent, ses affaires marchent bien et ils embauchent même le Congolais. Mais le Congolais qui est né au Congo, et la seule solution qu'il trouve pour s'épanouir, c'est d'émigrer en Europe et avec tous les problèmes de papier. Vous voyez, tout cela est dû à cause de nos gouvernements. En Afrique, la féodalité est toujours actuelle. Quelqu'un qui est né de famille pauvre a 90% de chances de mourir pauvre. Quelqu'un qui est né de famille riche, c'est-à-dire que qui a des relations avec le pouvoir, à 90%, même s'il est idiot, d'être riche. Alors, tous les jeunes qui sont nés des familles pauvres n'ont pas d'espoir en Afrique, voyez. Ils n'ont pas de, même quand ils ont des bonnes idées, même quand ils ont des capacités, ils ne pourront jamais immerger. Parce qu'il y a une forme de féodalité tribale. Vous n'êtes pas de ma tribu, on vous fait pas. Les prêts bancaires se refusent à cause par des critères tribaux. On vous donne de prêts bancaires parce que vous êtes un fils d'un tel, par des tuyaux relationnels. C'est-à-dire que l'argent appartient à une élite et le reste de la qui est à peu près 1% de la population.
et le reste sont perdus. Ils n'ont qu'une seule issue, qu'un seul rêve, aller en Europe. Là, au moins, ils peuvent rêver. Alors, celui qui détruit l'Afrique, c'est lui qui détruit l'Afrique, c'est l'Africain. Pardonnez-moi de vous le dire en face. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas là pour dénigrer. Voyez, si je parle de la Guadeloupe, les Guadeloupéens disent « Bishop Lee dénigre la Guadeloupe ». Si je parle de Haïti, les Haïtiens pensent que je dénigre l'Haïti. Mais pourquoi nous, les Afros, on a du mal à accepter la correction? Comment pouvons-nous évoluer quand on n'accepte aucune correction, hein? Quand on n'accepte pas qu'on nous dise notre problème en face. Vous préférez la flatterie, qu'on vous dise « nous sommes des champions ». Nous ne sommes pas des champions. Voilà, nous ne sommes pas des champions. Je vous dis, nous ne sommes pas des champions. Voyez, actuellement, l'Afrique est en train de tomber bas. Et dans toutes les sociétés multiraciales, c'est nous les Afro qui sommes en bas de l'échelle sociale. Même aujourd'hui, voyez ce qui se passe aux États-Unis. Les hommes d'affaires afro, Puff Daddy, R. Kelly, tous ces gens-là sont en train de se trahir, de se battre entre eux. C'est comme Tupac qui a été tué par un black. Ils sont en train de s'entretuer entre nous. Nous ne sommes pas solidaires. Voyez, nous ne sommes pas solidaires. On n'a pas besoin. Voyez, hier soir, j'ai envoyé la vidéo à Jean-François Saint-Louis. Mes amis, je tiens à faire une appel d'urgence. Écoutez bien. Je parle avec mon cœur. Mon cœur est en train de saigner. Je ne peux pas vous montrer les images tellement qu'elles sont violentes. Je vous dis, je ne peux pas vous montrer les images. Sur WhatsApp, circule une vidéo. Cette vidéo, je l'avais vue il y a 2 ans, 3 ans. Et je l'ai perdue, je l'ai enregistrée. J'aurais bien voulu vous le montrer. Mais c'est insoutenable. Certaines personnes peuvent même être vraiment choquées et traumatisées. Nous voyons des gens, arabes ou indiens, qui prennent une femme négresse. On l'amène dans les champs, une jeune africaine sûrement. On l'amène dans le champ, dans la brousse. On prend un genre de chapeau métallique qu'on met sur sa tête. Et la jeune fille devait avoir 20 ans, 22 ans. Elle tremblait. Elle avait peur. On lui dit de tenir le chapeau elle-même. Un genre de plaque métallique sur la tête. Alors, ces gens, je sais pas si c'est des Indiens ou des Arabes, ils prennent un bâton de baseball. Ils frappent 3 fois très fort sur sa tête. La fille tombe par terre et tombe en convulsion. Voyez, un choc comme ça. Donc, son cerveau meurt à cause de l'onde de choc. Et elle meurt, elle perd connaissance, mais elle reste vivante. On récupère son corps pour aller vendre ses organes. Voyez, si on tue la personne, on égorge la personne, le risque, c'est que le cœur s'arrête, les poumons s'arrêtent. Et comme ils sont pas bien équipés pour le transporter par hélicoptère, leur méthode consiste à donner un coup de bâton très fort sur la tête. Comme ça, le cerveau, avec l'onde, la personne va subir une mort cérébrale. Il va convulser, mais son cœur va continuer à battre. Ses poumons vont continuer à fonctionner. Ses organes vitaux resteront vivants. On transporte la personne vivante pour prélever ses organes. Un cœur coûte 200 000 euros, 300 000 euros. Les reins coûtent 100 000 euros. En fin de compte, quelqu'un qui est vendu comme cela rapporte à peu près 1 million de dollars aux gens qui font ce trafic. Je vous dis, j'ai vu les images. C'est insoutenable. J'aurais pu vous les montrer. Mais voyez, on va les sanctionner. Mais ce qui m'inquiète encore, ce sont des filles afro, des filles africaines qui sont à 99% utilisées comme cela. Des filles africaines.
qui les vend, qui les vendent, leurs propres frères blacks. Bien-aimés, quand est-ce que nous allons changer? Mes frères afro, je vous en supplie, pourquoi nous sommes comme ça? Arrêtez-moi cette musique. Il y a des Indiens qui sont dans la pauvreté. Il y a des Indiens qui sont dans la pauvreté. Ils ne font pas ça. Il y a des Hispaniques, Espagnols, hein, des Latinos qui sont dans la pauvreté comme nous. Ils ne font pas ça. Mes frères, je vous en supplie, mes frères d'Afrique, arrêtez de vendre vos propres sœurs, vos cousines, arrêtons cela. Pourquoi vous faites ça? Vous envoyez des gens vers la mort pour l'argent. Hier, c'est nos propres rois, en complicité avec certaines personnes qui vendaient l'Africain en esclavage. Il y a des esclaves noirs qui ont été capturés militairement, d'accord. Mais une grande partie ont été vendus avec le roi, l'accord du roi. J'ai quelqu'un qui a été au Bénin, il m'a dit, on échangeait un esclave avec un miroir. On échangeait un esclave avec un miroir. Mais l'Afrique, on doit demander pardon aux Antilles. On doit demander pardon à tous les déportés. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Mais nos rois étaient stupides. Un roi qui vend son propre peuple en échange du sucre, en échange du sel, en échange de l'or, en échange de fusils, en échange de miroir. Nos propres rois, c'est-à-dire que le roi afro, le roi noir vend son peuple. Et vous savez ce que l'esclavage. Vous comprenez? Et aujourd'hui encore, on n'a rien compris. Aujourd'hui encore, on n'a rien compris. Il y a certains Africains qui vendent leurs sœurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient leur cousine, ils voient le fils du quartier, ils leur disent, il y a un travail pour toi au Liban. C'est souvent en Asie qu'ils vont, au Liban, en Inde, en Arabie Saoudite. Il y a un travail pour toi, c'est rémunéré 200 euros, 300 euros par mois. Les billets d'avion, on te le paye. Je te donne le tuyau, voyez. La pauvre fille qui n'a pas d'avenir, elle croit. Des fois, c'est son propre cousin. C'est son propre tonton. La pauvre fille croit. Elle dit, ah bon, il y a ça. La pauvre fille croit. Et on visa donné, billet donné, tout donné. Elle prend l'avion. Elle croit aller au travail. Mais elle va tout droit vers la mort ou l'esclavage. Il y en a certains au Liban, on arrache leur passeport. Elles travaillent nuit et jour, elles ne sont pas payées. On tue même des Africains au Liban, la police ne fait rien. J'ai eu une femme africaine, ivoirienne, en Irak, elle m'a appelé, elle m'a suivi sur les réseaux, elle m'a appelé. Elle était cachée dans les toilettes. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, si ma maîtresse sait que je t'ai appelé, on me tue. Elle m'a dit, Bishop, on n'a aucun droit ici. Je suis venu soi-disant pour travailler. On a arraché mon passeport. Je ne peux pas rentrer. Je ne suis pas payé. Je travaille nuit et jour. Je suis malade. Je ne suis pas soigné. On me tape. Je suis une esclave, Bishop Eli. Le pire, nos gouvernements ne font rien. Vous voyez tous nos frères africains noirs qui étaient esclaves en Libye. Qui a dénoncé ça? Dites-moi, qui a dénoncé ça? Ce sont des Blancs. C'est des Américains, CNN, qui sont allés dénoncer ça. Nos journalistes afro n'ont pas dénoncé ça. Nos gouvernements afro n'ont pas gouverné ça. Et pourquoi on ne s'aime pas entre nous? Pourquoi on ne s'aime pas?
Il y a beaucoup d'Africains. Samuel Eto'o, le pauvre, celui qui a loué un avion pour prendre ces gens-là et les ramener au Cameroun. Alors, je donne une sonnette d'alarme. Les filles qui sont en Afrique, ne tombez plus dans ce piège. Il y a un trafic international d'organes. Je vous aurais monté la vidéo. Beaucoup des Africains qui sont allés soi-disant pour travailler en Asie, ils ont disparu sans suite. Certains sont esclavagisés, certains sont tués et leurs organes vendus. Je vous avertis, ne tombez plus dans le piège. Je vais faire une vidéo, j'espère que vous allez le partager partout. Je vais voir si TikTok va accepter que je montre cette vidéo-là. Les images sont insoutenables. Voilà. Nous ne sommes pas là que pour parler du ciel. Voyez, mon émission, je suis là pour aider les gens. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous remplir de sagesse, de discernement. Nous revenons à notre sujet. Amen. Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu nous remplir de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu nous remplir de ton amour. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Prends contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Je vais prier pour toutes ces pauvres filles africaines, noires, qui sont vendues, qui vont vers l'Asie, et d'autres qui se font tuer pour le trafic d'organes, et d'autres qui sont esclavagisés. Ô Père, Dieu miséricordieux, fais grâce que ce commerce s'arrête. Et je vous dis, je vous le jure, si moi, on me met président de la République, un Africain qui fait ce genre de business, il sera condamné à mort et pendu. Je vous le dis, moi je rigole pas. Des gens comme ça méritent la pendaison. Tuer, nous sommes prêts à tuer nos propres frères pour l'argent. Jusqu'où ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va s'aimer? Quand est-ce que nous, les Afros, on va s'aimer? On va se battre, se protéger? Même nos présidents Afros, quand ils ont le pouvoir, regardez, ils ne quittent pas le pouvoir. Il y en a qui ont 40 ans, hein? Ouattara, maintenant, il a changé la constitution pour brider un troisième mandat. Sassou Nguessos, plus de 40 ans, il n'est pas fatigué. Omar Bongo, le fils Bongo, il était son pied traîné, paralysé. Il voulait. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Nous ne savons pas laisser le pouvoir en paix. Hein? Ah! Oh Dieu! Aie pitié! Je sais que en parlant comme ça, je me fais détester par certains. Mais je suis pas, moi je vous mentirai pas. Je vous dirai la vérité en face. Le Congolais, je vous dirai la vérité en face. Les Africains, je vous dirai la vérité. Les Guadeloupéens, mes frères, je vous dirai la vérité en face. C'est comme on me dit, j'ai suivi une émission, on me dit ah, l'homme antillais est fidèle, l'homme antillais. Je dis mais je dis à Jean-François. Mais c'est facile, va faire les enquêtes. Va dans une soirée, demande à 10 femmes antillaises et qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais c'est facile. C'est facile à vérifier. Les gens préfèrent vivre dans les dénis. Combien de femmes antillaises abandonnées avec des enfants que je console tous les jours. Depuis que j'ai commencé le ministère, combien de femmes antillaises, martiniquaises, guadeloupéennes, abandonnées, deux fois deux pères différents, trois pères différents, abandonnées complètement, même si tu abandonnes une femme, mais occupe-toi de tes enfants, ils s'en occupent même pas. Et quand on dénonce ça, on dit, ah non, on nous dénigre, c'est pas vrai, mais je dis, Jean-François, fais, il y a une méthode simple, sociologique, fais une enquête, voyez, fais un sondage, demande à 50 femmes antillaises, vous allez voir 40 ou 45 vous diront qu'ils ont été trompés,
elles ont été trahies, elles ont été abandonnées avec les enfants. Vous allez voir que je ne mens pas. Voyez, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Béni soit Dieu. Mais moi, je dirai toujours la vérité. Je dirai toujours la vérité. Je veux que le jour où je pars devant Dieu, que je dise que, Seigneur, je dis la vérité. Même à la France, j'ai dit aux Français la vérité. Vous voyez, je prends des risques, je dénonce certaines choses qu'on m'a dit de ne pas dénoncer, mais je dénonce ça. Je n'ai pas peur. Je suis prêt même à perdre ma vie, mais je dirai toujours la vérité. Un enfant de Dieu doit dire la vérité. Et la vérité dérange. Vous serez haï. Vous serez détesté. Mais il faut dire la vérité. Jean-Baptiste a dit la vérité. On l'a coupé la tête. Hein? Jean-Baptiste a dit à Hérode, toi, tu sors avec... Il aurait pu flatter Hérode. Hérode avait l'argent, avait le pouvoir. Mais Jean-Baptiste a dit, Hérode, tu sors avec Hérodias, la femme de ton frère. Hein? Tu es indigne. Il lui a dit ça publiquement. Et pour cela, Hérodias l'a détesté. Hérodias s'est vengé, l'a fait couper la tête. Vous voyez? La vérité peut vous coûter votre vie, peut vous coûter votre réputation. Les gens n'aiment pas la vérité. On vit dans un monde d'hypocrisie. Les gens aiment les flatteurs, les escrocs. Mais moi, j'ai dit la vérité. Je ne cherche pas à faire du buzz. Vous voyez? Je vous dirai toujours la vérité. Bon, maintenant, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment que Dieu nous change, que nous soyons plus de flatteurs, que nous soyons des gens qui disent la vérité, qui prêchent la vérité. L'apôtre Paul dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Alors, j'aimerais aborder un sujet spirituel maintenant. Vaincre le doute. Écoutez-moi bien. Comment vaincre le doute? Parce que les doutes annulent les prières. Quand nous lisons dans Jacques, je crois que ce verset, vous le connaissez, je veux le citer de mémoire. Ce verset dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne abondamment, sans faire de reproches. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, balayé de gauche à droite. Un tel homme est instable dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Voyez. Donc, il y a deux choses qui bloquent complètement les prières. Il y en a plusieurs, hein, mais les deux éléments le plus courants qui bloquent nos prières, c'est le péché. Hein? On dit, la main de l'Éternel n'est pas, il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont nos péchés qui lui cachent sa face et nous empêchent de nous écouter. Donc, le péché est un obstacle. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés à cause du péché. Et puis, là où nous avons parlé du péché, nous parlons toujours, nous pensons toujours aux péchés grossiers et visibles. Il y a des péchés qui sont tellement gros qu'on le voit à nu. Mais dites-vous que devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de gros péchés. Mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des péchés qui ont des conséquences graves. Par exemple, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Il y a des péchés qui ont des conséquences graves. Par exemple, la fornication. Celui qui commet la fornication ou l'adultère pêche contre son propre corps. Et Dieu dit,
Celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Beaucoup de chrétiens, je dis pas tous, beaucoup de chrétiens, je dis pas tous, hein, je n'aimerais pas généraliser, mais beaucoup de chrétiens ont des cancers, leurs corps sont détruits à cause de l'adultère. Vous voyez, il y a des poisons à long terme, il y a des poisons à court terme. Le poison à long terme, tu vas chez quelqu'un, tu manges, tu es empoisonné, le poison en toi, mais le poison va réagir un an après ou 20 ou 2 ans après. Et quand le poison réagit, on n'arrive même pas à savoir qui t'a empoisonné. Le poison en court terme, tu manges tout de suite et tu meurs tout de suite et l'empoisonneur est tout de suite repéré. C'est pareil que le péché. Il y a des péchés que vous commettez et les conséquences sont 2 ans, 3 ans après. Voilà pourquoi je vous dis, chrétiens, marchez dans la propreté. Parce que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voyez. La Bible dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Que personne ne vous mente, qu'il vous dise que Dieu ne punit pas. Non, Dieu châtie celui qu'il aime. C'est écrit en noir et blanc. Alors, je tenais à dire, les péchés sont tous pareils. Il n'y a pas de gros et de petits parce que tout péché te sépare de Dieu. Un soupçon te sépare de Dieu autant qu'une bagarre. L'adultère te sépare de Dieu autant qu'insulter quelqu'un. Vous comprenez? Mais par contre, celui qui insulte quelqu'un ou celui qui tue quelqu'un, ils auront des châtiments différemment. Voyez. Les péchés sont tous pareils. Il n'y a pas de gros et de petits, mais il y a des péchés qui ont des grosses conséquences. Il y a des péchés qui ont des petites conséquences. Les conséquences sont différentes. Alors, je vais continuer. Mais par contre, il y en a qui ont réglé leur vie. Certaines personnes, vous voyez, par exemple, le cas de certains pasteurs. Le monsieur, il est intègre, il est fidèle à sa femme, il aime les brebis, il fait rien de mal. Mais il a la jalousie spirituelle. Tu es jaloux d'un autre pasteur. Ou bien tu envies un autre ministère. Tu vois que ton fils spirituel, ou ton collègue, ou ton père spirituel, prospérer spirituellement, ou que Dieu le bénit plus que toi, au lieu de te réjouir, tu as l'envie en toi. Voyez, ce genre de péché, ça ne se voit pas. Voyez, ça ne se voit pas. Voyez, quand je vais dans le ministère de quelqu'un ou de mon fils ou d'un ami, je vois qu'il est béni plus que moi, et je vois que ça marche bien pour lui, et je me dis, Dieu ne fait exception de personne. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait pour que ça marche ainsi. Et des fois même, je demande à la personne, quel est ton secret? Je veux aussi avoir le même résultat. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Je n'envie pas la personne. Je me réjouis pour la personne, voyez. Il faut apprendre à vous réjouir, voyez. Ta sœur prospère, réjouis-toi. Hein? Ton frère est guéri, réjouis-toi. Apprenez à vous réjouir de la réussite des autres. Mais parfois, nous développons l'envie, nous développons la jalousie. Et ce sont des péchés qui sont tout petits des fois. Pas visibles. On ne le voit pas. La jalousie spirituelle, l'envie, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais qui peuvent bloquer nos prières. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Beaucoup de prières sont bloquées à cause de ces tout petits péchés qu'on appelle tout petits péchés parce qu'ils ne sont pas très visibles. Ils sont pas très flagrants. Hein? La convoitise. Tu es marié, mais tu convoites une autre femme. Tu es marié, et je dis bien, tu convoites la femme de ton prochain. Ah, c'est ça. Hein? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est de la méchanceté. Je vous dis, je n'ai jamais convoité la femme de quelqu'un. Depuis que je suis né, maintenant j'ai 57 ans, je n'ai jamais convoité la femme de quelqu'un. Tu peux voir la femme de quelqu'un, tu dis qu'elle est belle. Mais oui, tu reconnais qu'elle est belle. Mais convoiter, non. Oui. Et ces choses-là sont cachées dans votre cœur. J'ai reçu un pasteur chez moi, hein, un pasteur américain. Et pendant que je suis allé prêcher en Martinique, il est resté avec ma femme à la maison, mon ex-femme à la maison.
Il dit à mon ex-femme, et si tu as une sœur, mon ex-femme dit oui. Elle a, il lui dit, et si ta petite sœur est exactement comme toi, je la marie tout de suite. Voyez, la convoitise. Tu dis ça à une femme mariée, et la femme d'un serviteur, qui t'a fait confiance. Et voilà pourquoi, depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne laisserai plus jamais un pasteur chez moi avec ma femme. Jamais. Aujourd'hui, c'est déjà que vous appelez pasteur, certains sont des vrais voyous, des vrais bandits, des inconvertis. C'est ton problème. Si toi, tu fais confiance. Moi, j'ai fait confiance à 100% à Dieu. Il y a même des pasteurs sorciers. Il est sorcier. Hein? Vous savez pas, je vous dis ça. Ah, Dieu m'a dit, sorcier. J'ai une sœur qui m'a appelé. Il est tombé sur TikTok sur un soi-disant prophète. Un soi-disant prophète, un manipulateur. Le prophète lui dit, j'ai vu que tu as fait un accident et que tu es mort. Tu as fait un accident avec ta voiture. Et la sœur commence à paniquer. Je ne donne pas les noms. Et il dit à la sœur, pour éviter l'accident, va vendre ta voiture. Elle dit, je prie, va vendre ta voiture. Après avoir vendu ta voiture, tu prends tout l'argent de la vente de la voiture, tu le donnes en offrande. Voilà un escroc. Mes frères africains, pourquoi vous faites ça? Hein, pardon, je ne vous dénigre pas. Bien sûr, tout le monde le fait, mais nous sommes des champions. Tout le monde le fait, mais nous sommes des champions. Pourquoi vous faites ça? Je vous en supplie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Et la dame avait tellement peur. Elle m'appelait. Pasteur, c'est toi mon pasteur. Je perds, j'arrive plus à venir à l'église. Quand je prends la voiture, je perds de faire un accident parce qu'un prophète dit, quel prophète? Dis à ce prophète-là, Bishop, elle a dit qu'il est un voleur, un voyou. Ah, le prophète m'a dit que je vais faire un accident. Je dis, quel accident? Moi, je te dis que tu ne feras pas d'accident. J'ai prié pour elle. Je dis, garde ta voiture, ne la vends pas. C'est un voleur, un manipulateur. Elle a pris sa voiture, elle est venue dimanche, elle n'a pas fait d'accident. On a prié pour sa voiture. Ah, mais yibi, vous êtes maudit, vous. Vous êtes maudit, vous qui abusez des gens. Vous êtes des hommes costauds. Allez travailler. Allez travailler. Moi, je suis un bosseur. Hein. Demandez à ma belle-mère, ma femme va vous dire. Il y a quelque part, il y a du champ. Hein, il y a du champ. Il y a une partie de chez ma belle-mère. Il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé depuis dans son terrain. Quoi. Beaucoup d'arbres qui ont poussé. J'ai dit à ma belle-mère, je vais t'aider. Je vais tout couper tout seul. Elle m'a dit, mais non, Bishop Eli, tu n'es pas habitué. J'ai dit, écoute, je suis un homme doit bosser, un homme doit travailler, je veux couper tout seul. Ma femme m'a dit, mais non, on va inviter un monsieur, on va payer. J'ai dit, on ne paye personne, je suis un homme doit bosser, un homme doit travailler. C'est ça un homme, hein? Mais vous, c'est l'escroquerie. Comment est-ce que notre continent, l'Afrique, nous avons plus de terres cultivables, mais nous mourons de faim? C'est l'Ukraine qui doit nous nourrir. Hein? Nous sommes des femmes. Je suis allé au Congo, j'ai vu les Chinois travailler à la place des Congolais. Les Chinois qui font les routes. Je dis, mais où sont les Congolais? Ah, et quand je vous dis ça, je deviens votre ennemi, hein? Vous voulez que je vous dise, vous êtes des champions, vous êtes formidables, vous êtes le meilleur mari qui existe sur terre, vous êtes des courageux, vous voulez que je vous dise ça? Mais moi, je vous dis la vérité. Oh. Ah, Jésus. Si je suis chagriné comme ça, c'est parce que je vous aime. Et le deuxième obstacle, c'est le doute. C'est le doute. Vous priez, mais à un moment donné, vous doutez. Voyez, vous doutez, mais est-ce que Dieu va m'exaucer? Le problème, c'est que Dieu a promis l'exaucement à nos prières, mais il n'a pas donné un temps. Dieu nous a promis l'exaucement à nos prières, mais il n'a pas dit quand.
C'est ça le gros problème. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il va exaucer. Et il faut la patience. Vous voyez la personne qui avait, qui était paralysée. Il a fait plus de 38 ans ou 35 ans, 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans, il a persévéré. Mes amis, 38 ans. Ah, maman, 38 ans, il est resté là. Il s'est dit, mais Seigneur, si ce n'est pas toi, qui encore? Un jour, chaque fois qu'il voulait se lever pour plonger dans la piscine, quelqu'un plongeait avant lui. Il était guéri. Vous voyez, c'était sauf qui paie, chacun pour soi. Mais cet homme-là s'est dit, mais si je vais ailleurs, je n'ai pas de chance. Même s'il faut que je meure là, au moins j'ai une chance. Il est resté là, au bord de la piscine. Un jour, la piscine s'est levée, la piscine s'est fait de pied, la piscine a commencé à marcher, la piscine incarnée par Jésus est venue vers lui, la piscine lui a dit, lève-toi et marche. Mes amis, il faut résister au doute. Même si ça traîne, même si ça dure longtemps, dis-toi que celui qui a dit « demandez et vous recevrez » ne peut pas mentir, ma fille, mon fils. Dieu ne peut pas mentir, je t'en supplie. Résistez au doute. Quand on dit « résistez au diable, il fuira loin de vous, soumettez-vous à Dieu », ça veut dire « résistez au doute, soumettez-vous à la parole ». Résister, Dieu ne peut pas mentir. Même si ton cas traîne, même si ta situation traîne, dis-toi que je vivrai la gloire de Dieu. Job a dit, je sais qu'un jour, je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour mon rédempteur s'élèvera et mes propres mains le verront. Job était malade, ça a duré des mois. Est-ce que c'était des années ou des mois? On ne sait pas. Mais il était malade, il dormait dehors. Pas de solution. Mais il a déclaré, je sais que mon rédempteur est vivant. Un jour, je verrai sa gloire. Ma fille, ne doute pas. Ne doute pas, ne croyez pas l'échec. L'échec n'existe pas. L'échec existe quand vous croyez à l'échec. Quand vous acceptez l'échec. Ah, pasteur, je ne comprends pas, j'ai pris, ça fait longtemps, je ne vois rien. Donc, tu as accepté l'échec, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que Dieu a menti alors. Hein? Dieu a menti. Il faut jeûner. Tu peux jeûner. Vous savez, moi, j'ai fait des jeûnes multiples. Je jeûne demain, ça ne marche pas. Je jeûne encore demain, je ne vois rien. Je jeûne. Jusqu'à ce que j'ai vu. Et puis je constatais que tant que je n'abandonne pas mon jeûne, je finis par vivre la gloire de Dieu. Je dis bien, jeûnez avec sagesse d'après votre santé. Dieu ne peut pas mentir. Aïe, aïe, aïe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la parole de Dieu finira par s'accomplir. Kama, 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 haïa, ma, saïa, mama, haïa, la, ba, kama, la, ba, sa, la, baba. Ne doutez pas. La véritable foi te rendra incrédule aux échecs. Ayez la foi jusqu'à devenir incrédule aux échecs. Je vous aime beaucoup. Je vais vous laisser et j'espère vous revoir demain. Demain, il y aura prière. Demain, samedi, je ferai prière, Maman Bouko et ma fille, si elle travaille pas, Myriam, si elle travaille pas, nous allons faire une émission pour la télé, mais sur Zoom. Nous allons faire une émission pour la télé sur Zoom. Et avec plaisir, bien sûr, j'aimerais partager avec vous cela. Maman Bouko, prépare-toi demain à 7h30. Si Myriam travaille pas aussi, ça me fera plaisir que tu sois là.
Je vais leur faire un petit partage pour le couple, parce que le couple souffre beaucoup. On va écouter un chant à la gloire de Dieu. Soyez bénis. Ô Père, pardonne-nous chaque fois que nous avons douté. Pardonne-nous chaque fois que nous avons baissé les mains. Douter, c'est te traiter de menteur. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Tu n'es pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi je m'attends en toi. Ça prendra le temps que ça prendra. Ma délivrance va durer le temps que ça va durer. Mais je sais que, un jour, mon rédempteur s'élèvera et mes propres yeux le verront. I love you. I love you. Sincerely, I love you. Te amo mucho. Dios te bendiga. La lingua mingi na kombo na Yesu. Mwen emeu. Chilumbu chaji kema. Abari kani mutoto wetu. Chilumbu chaji nene. Engeke sambila fumu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @BishopEli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Mal, je suis tombée.
m'a relevé. Je suis une ange de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai.